Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de faire un burger de Noël. Donc, on garde les ingrédients et on fait la recette. C'est parti! Pour cette recette, nous allons avoir besoin de porto, d'huile d'olive, de vinaigre balsamique, de jeunes pousses de salade, d'une botte de cerfeuil, d'une botte de ciboulette, des tomates, ici j'ai pris des tomates chocolat, donc elles sont très très noires, du beurre, une truffe, de la sauce à la truffe noire, une belle patate douce, bien évidemment du steak haché, une tranche par personne de foie gras cru et un pain burger par personne, du sel et du poivre du moulin. Et maintenant, on y va. On commence par la patate douce, on prend la patate, on l'épluche et ensuite on va la couper en assez fines tranches. Une fois que c'est fini de trancher, vous prenez une grande poêle, un petit peu de beurre, un tout petit peu d'eau et vous les mettez juste à cuire dans la poêle. Donc, une poêle, du beurre, on va en rajouter encore un petit peu, un fond d'eau et une fois que le beurre est fondu dans l'eau, on y ajoute nos lamelles de patate douce. Voilà, le beurre est fondu, vous y disposez vos tranches de patate douce et on laisse cuire tranquillement. Et maintenant, on s'occupe des tomates. On prend les tomates chocolat, on les passe sous l'eau, on enlève le pédoncule et on les coupe soit en quartier, soit en petites rondelles. Vous avez terminé de couper vos tomates en rondelles. Maintenant, vous prenez votre ciboulette et vous la ciselez très finement. Concernant la ciboulette, j'en ai ciselé très très finement une partie et l'autre, je l'ai fait en bâtonnet d'environ 2 cm. Maintenant, on passe au cerfeuil. Concernant le cerfeuil, comme vous pouvez le voir, je n'ai gardé que les pluches de cerfeuil. Je n'ai fait que des pluches de cerfeuil. Donc ça, on réserve. Et on continue la recette. Je viens d'ouvrir mon petit bocal où il y avait des truffes ou briseur de truffes, comme vous voulez. Vous prenez un petit peu de porto rouge et vous le mettez dedans. Et comme ça, ça va ramasser le jus. Et ce jus-là, avec le porto, on va le mettre dans une casserole. Donc, dans ma casserole se trouvent le porto et le petit jus de truffe qu'il y avait à l'intérieur de votre petit bocal de truffe ou de briseur de truffe. Et on laisse réduire. De mon petit bocal, j'extrais deux petites truffes. Une, je vais l'émincer très finement. Et l'autre, je vais la couper en petits dés pour la rajouter dans la sauce. Nos lamelles de truffe, on les garde pour lorsqu'on va dresser le burger. Et nos petits morceaux de truffe, on les met tout de suite dans la réduction porto jus de truffe. N'oubliez pas non plus vos lamelles de patates douces. Une fois qu'elles sont cuites, vous les débarrassez. En attendant que notre sauce réduise, on met dans un petit saladier une demi-cuillère à soupe de vinaigre balsamique, une cuillère et demie d'huile d'olive, du sel, du poivre et on se retrouve. Une fois que votre vinaigrette est terminée, vous prenez vos pains burgers et vous les coupez en deux. Vous prenez votre steak haché en vrac et vous en formez des petits steaks, soit avec un emporte-pièce, soit même à la main tranquillement. Les steaks sont maintenant prêts, on continue notre recette. Vos patates douces sont cuites et comme il faut les garder un peu au chaud, donc on met à la porte du four, on a mis une température un peu basse et on va le mettre très tranquillement dans le four, comme ça on peut continuer la recette. Revenons à notre sauce, voyez, elle est parfaitement réduite maintenant, donc on va juste la monter très légèrement au beurre, c'est-à-dire que vous allez mettre du beurre frais dedans, prendre un petit fouet et pas fouetter trop parce que sinon ça risque de blanchir votre sauce. Donc montez très très légèrement votre sauce au beurre, rectifiez l'assaisonnement et laissez-la au chaud au coin de votre fourneau ou au coin de votre plaque chauffante. Voilà, j'y mets quelques noix de beurre. À la limite, vous ne faites pas au fait, je vais juste vous tourner votre casserole comme ça afin que le beurre puisse monter votre sauce et fondre en même temps. Et ensuite, vous débarrassez sur le côté pour laisser au chaud. Maintenant, on prend une poêle, un peu de beurre et on va y faire dorer nos deux parties intérieures de notre pain burger. Le beurre et vous y posez l'intérieur de votre pain afin qu'il dore. Une fois que l'intérieur de vos pains burgers seront bien dorés, vous allez les mettre comme les patates douces à la porte de votre four. Voilà, là c'est parfait. Un petit peu plus. On va déjà enlever celui-là et on va le mettre à la porte du four. Donc nos pains burgers ont rejoint nos patates douces à la porte du four. Comme ça, on est sûr, ça reste bien au chaud afin qu'on puisse les dresser tranquillement tout à l'heure. Nous avons tous nos éléments pour monter notre burger, sauf le steak haché et le foie gras. Donc on va les cuire dans la même poêle. Donc je vous propose de prendre une grande poêle, absolument pas de matière grasse puisqu'on va commencer par cuire le foie gras. On va faire un foie gras poêlé et ensuite dans la graisse du foie gras,
on fera notre steak haché. C'est parti. Donc, vous faites bien chauffer votre poêle. Votre poêle est en train de fumer. Donc, maintenant, vous y mettez votre escalope de foie gras. Voilà, sans graisse. Et on va l'assaisonner cette fois. Et on la retourne. Voilà, votre escalope de foie gras est bien colorée des deux côtés. Donc, vous l'enlevez et vous la mettez sur un sopalin. Et une fois qu'elle est sur un sopalin, vous pouvez la mettre au bord du four avec la patate douce et vos pains burgers afin que tout ça reste chaud pendant que je cuis le steak. On reprend la poêle et on fait un aller-retour avec notre steak haché. Même chose, notre steak est doré des deux côtés. On le met au four afin qu'il reste juste saignant. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à dresser notre burger. Donc, on prend le pain. Sur le pain burger, nous avons mis une cuillère à soupe de sauce. Maintenant, on va prendre nos patates douces et on va les mettre dessus. Et on remet un tout petit peu de sauce par-dessus. Vous prenez votre tomate chocolat en rondelles et vous les installez par-dessus vos patates douces. Maintenant, sur vos tomates chocolat, vous y installez vos pousses de salade. Voilà, vous avez donc mis quelques pousses de salade. Maintenant, vous y mettez votre steak haché. Sur votre steak, vous mettez quand même un tour de moulin à poivre. Sur votre steak, vous allez mettre encore une petite cuillère à soupe de sauce que nous avons fait à base de truffe avant d'y ajouter le foie gras. Et maintenant, on y dispose le foie gras. Et sur ce foie gras, on va y ajouter nos rondelles de truffe. On va y mettre un tout petit peu de ciboulette ciselée et on prépare dans un petit saladier ou dans un petit bol le mélange de bâtonnets de ciboulette et plus de cerfeuil avec un petit peu de vinaigrette. Je dispose donc par-dessus mon mélange de cerfeuil et de ciboulette. Voilà. Et le tour est joué. Notre burger de Noël est terminé. Il ne nous reste plus qu'à préparer un petit bol de sauce à part et dresser ce magnifique burger de Noël sur une assiette de fête. Notre burger étant installé sur son assiette de fête, la recette est donc terminée. Et bien voilà, j'espère que cette recette du burger de Noël vous aura plu et séduira vos amis si vous la leur faites. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires. N'hésitez pas non plus à liker ma vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. Nous, on se retrouve très prochainement dans l'esprit fête de fin d'année pour de nouvelles recettes. Salut à tous !